Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me recevoir comme tous les midis. Et c'est un bonheur de retrouver notre champion. Voici Paul. Bonjour. Ça va, Paul? Bonjour tout le monde, bonjour Laurence. Oh là là, quelle pêche bonjour. Vous avez, vous. Hein. Toujours heureux, ça, c'est bon? Oh. Ouais. Oh. Ah, plus le temps passe, plus je suis heureux. Bon. Je ne sais pas comment je vais faire dans 100 ans. Oh là là. Moi non plus, comment on va faire sans vous? Oh non, Laurence, c'est trop gentil, ça. Alors, 6 victoires hier, un très beau score pour Georges Pompidou, 18 points, 5500 euros. Hé, hey, on avance, hein? Tout doucement. Tout doucement. Bon, toujours envie de rester là, rassurez-moi. Écoutez, je vais réfléchir. D'accord. Ben, je vous laisse réfléchir. À demain. À demain. Allez, d'accord. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est parti. Voici Stéphane de bonne main, par miracle, il a croisé le pape. Bonjour Laurence. Séverine, elle ne blague pas avec les requins, elle est de Noisy-le-Sec. Bonjour Laurence. Bonjour. Jérôme de Guignac-la-Nerthe, il adore l'Écosse. Bonjour. Manon, elle est humoriste et elle vient de Nice. Bonjour Laurence. Médéric de Dole, il a la bosse des maths. Et enfin Nathalie, elle est passionnée de voyage, elle vient du monastère. Bonjour. Ah, ils ont l'air très sympathiques et je pense qu'ils ont envie de jouer et peut-être aussi de gagner. Donc c'est parti pour les qualifs. Ça va? Oui. Oh là, vous êtes tout sourire, vous êtes souriant, vous êtes solaire, c'est magnifique. Vous avez envie de jouer? Oui. Envie de gagner? Oui. Ah oui. Ah oui. Oh là, 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 là. Alors on joue tout de suite. Hein. Question pour tous. C'est la première de deux, donc le carré à 3 points. Cet été, qu'a suggéré de faire le Premier ministre espagnol pour avoir moins chaud et limiter l'usage de la climatisation? Alors, les réponses. Sucer des glaçons... Acheter un éventail, tomber la cravate, boire 6 litres de gazpacho. Alors, nous avons acheté un éventail, acheté un éventail, acheté un... 6 litres de gazpacho, c'est vrai, c'est... Tomber la cravate, oui, et sucer des glaçons. La bonne réponse, c'est, il a dit, tomber la cravate, ouais. Vous imaginez bien que la proposition de Pedro Sanchez et de son gouvernement a été très très mal accueillie. L'occasion pour le journal Libération de titrer en Espagne, accueil glacial pour l'exécutif et sa mesure sur la clim. Tomber la cravate, bon, quand les gens ont très très chaud. Surtout pour nous, on n'a pas de cravate, donc comment on fait? Et Stéphane, vous l'aviez entendu cette news ou c'est... Au hasard! Un petit coup de chance. Un petit coup de chance, c'est formidable, vous marquez 3 points. Bon, rassurez-vous les autres, il y aura d'autres questions. Hein, ne vous inquiétez pas. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va? Vous venez d'où Nathalie? De l'Aveyron. De l'Aveyron. Vous êtes originaire de l'Aveyron? Pas du tout. Non, vous Toulousaine êtes... qui a adopté l'Aveyron. Ah, c'est une belle région l'Aveyron. Belle région. Oh là là. On y vit calmement. Ah, calmement. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeure de français. Ah! Collège? Collège. Très bien, ça se passe bien. Oui, je salue mes élèves. Coucou les élèves. Soyez gentils avec Nathalie, attention, hein, on écoute bien. Et vous êtes passionnée de voyage. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous partez au moins une fois par an? Oui, oui. J'essaie. Ouais. J'essaie des voyages plus ou moins longs. Là, un gros voyage, j'aimerais faire découvrir l'Asie à mon chéri. Oui. Car j'aime vraiment l'état d'esprit des gens qui habitent, des gens pauvres mais qui sont heureux. Vivre avec le sourire. D'accord. Voilà. Donc là, vous vous projetez sur l'Asie. Oui.
Et vous préparez quoi d'autre? Ah, un gros voyage Nicaragua, Costa Rica, Panama. Ah oui, oh, ouais, quand même. Pas toute seule. Alors Nathalie, lors de quelle décennie cet unique tube de Daniel Potter est-il sorti? La décennie, hein. Je vais dire Cash. Ouais, bah oui. 2001. Oui, c'est ça, c'est bon, 2000. Oh bah oui, Cash, hein, oui. Daniel Potter est canadien. Sa chanson a été utilisée par une célèbre marque de soda dans une campagne publicitaire, ce qui a largement contribué à son succès dans les années 2000. Non, c'était en 2004. Bad Day. Il n'y en a fait qu'un. Elle a peut-être fait d'autres trucs après, mais enfin, on n'a pas été au courant. Hein. Combien de temps la planète Terre met-elle pour faire un tour sur elle-même? Je vais dire Cash, 24 heures. Mais oui! C'est le stress! On se calme, Nathalie, oui, on se calme! Elle est terrorisée, elle me... Voilà, c'est le stress, c'est quand on va au bac, on ne sait plus rien, on ne sait plus rien. C'est à l'oral. Ça me paraissait facile, mais je me suis dit trop. Non, c'est bon. Oh, en plus, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez eu quand même le... Vous vous êtes dit, j'ai les tripes, je vais prendre un cas, je ne peux pas faire un carré là-dessus. Sinon, et c'est bien, gardez 10 points pour Nathalie, bon départ. Ça va descendre le stress. Il faut laisser des stands. Bonjour Médéric. Bonjour Laurence. Ça va? Ça va super. Vous venez d'où Médéric? Alors moi je viens de Dole, dans le Jura. Dans le Jura, ouais. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis étudiant en classe préparatoire de mathématiques. J'adore ça, hein, c'est ma passion depuis toujours. Je compte plus les années maintenant. Vous avez une passion, c'est mathématiques, très bien. Oui. Vous voulez faire quoi dans la vie? Moi je vais être prof de maths. Ah, alors... Et en fait je commence déjà à m'habituer un peu aux merveilles de la pédagogie parce que j'ai lancé une chaîne sur internet qui s'appelle Médématiques et sur laquelle je fais des vidéos pour soit pour les élèves en difficulté, soit pour ceux qui veulent découvrir cette merveilleuse matière. Ah oui, voilà. Il y a des gens qui veulent découvrir la merveilleuse matière des maths? Oui, il y a pas mal de gens. D'accord. Alors, vous avez des petits trucs comme ça pour nous donner envie ou pour nous expliquer? Alors, du coup, je vous ai préparé un petit tour pour faire en sorte que... Alors, allez. Alors, ça va être avec une corde, hein. Non. Voilà. L'ustensile, voilà, de c'est base. Une corde. Donc, je vais vous expliquer comment Pythagore a découvert son célèbre théorème. Je prends des notes. Interro surprise à la fin de l'émission. Hein. Ouais, d'accord. Alors, pour la petite histoire, donc Pythagore voyageait souvent en Égypte hein, pour observer les architectes égyptiens qui construisaient les pyramides. Et Pythagore se demandait, mais comment est-ce possible de construire des angles droits aussi parfaits? Oui. Et puis en fait, la technique était toute bête, c'était d'utiliser une corde comme ceci, avec des petits marquages, hein, ici j'ai utilisé du ruban adhésif noir, qui délimite 12 intervalles réguliers. On peut en compter bien 12. Hein. D'accord. Et alors, je vais demander à Nathalie d'être Nathalie, mon assistante. Pas de bol, c'est pour vous ça. Si vous le voulez bien. Alors... Nathalie, vous allez compter à partir du haut 5 intervalles. Vous en comptez 5. Voilà. Vous savez compter jusqu'à 5, c'est bien. Oh, il est bon donc, prof, il est bien. Je vais venir racoler l'autre bout, comme ceci. Et moi, je vais en compter 4 de ce côté-là. Donc 1, 2, 3, 4, voilà. Il en reste 3 au bout. Je vais tirer un peu et regarder, lever un petit peu, voilà. On obtient un triangle rectangle. Et merci. Et c'est comme ça que Pythagore a découvert son théorème. Alors, pour les petits curieux, c'est en fait 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré. Voilà. Vous allez être un sacré prof, vous, hein ? C'est gentil. Voilà. Bravo, Médéric, vraiment. Merci. À la première personne du pluriel, comment conjugue-t-on le verbe se tromper au passé simple? Première personne du pluriel, passé simple, se tromper. Cache, ouais. Nous nous trompons. Se tromper. Non, passé simple. Oh là. Nous nous trompâmes. Oui. Ou alors passé bon, on est d'accord Nathalie, c'est pas on l'utilise pas. On dit on s'est trompé souvent. Oui. Vous dites nous nous trompâmes. Alors que c'est la belle langue française, hein. Non, mais le passé simple, j'étais pas concentré. Voilà, au passé simple, les verbes du premier groupe se terminent par « am » à la première personne du pluriel. Complétez le titre du film avec Emmanuel Béard, Nelly et Monsieur... Carré. Ok. Bruno, Renaud, Dino, Arnaud.
Renaud. Bah, c'est Arnaud. C'est un film de Claude Sautet avec Michel Serrault, sorti en 1995. On a la photo. Oh, Manuel Berg, ce qu'elle est belle. Et Michel Serrault. Bon, mais Eric, il y aura une question pour tous pour vous rattraper, hein, vous inquiétez pas. Bonjour Manon. Bonjour. Vous venez d'où, Manon? Je viens de Nice. Ah, carrément. De la Côte d'Azur. Oui, je vois bien où c'est. Ouais. Je crois que je sais. Mais Nice même, alors? Nice même, exactement. Vous êtes niçoise? Complètement, 100%. Ah, génial. Super. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille au kiosque Tintin à Nice. On sert tout ce qui est pambagna, tout ce qui est spécialité de Nice. Pizza laser, pambagna. Mais farci? Non. Ah, zut. Non. Voilà. Pas la soca? Non, non plus. Mais pourquoi? Mais écoutez, on peut pas tout faire dans la vie. À Nice, il y a tellement de trucs bons à manger, ouais, que voilà, c'est vrai qu'on peut pas tout faire. Moi, et j'aime vous... tout. Moi aussi, j'aime. Qu'est-ce que vous me dites par là, que vous êtes humoriste? Exactement. Allez. Je faisais de la scène avant le confinement. Ouais. J'ai arrêté pendant le confinement. Oui, et bon, là, normalement, je reprends en décembre, janvier, la alors, scène. Vous avez le spectacle d'écrit? Un sketch. On commence doucement, mais sûrement. Ah, un sketch d'écrit, alors. Et ça parle de quoi, on peut savoir? Moi, je parle de ma vie, du confinement, de tout ce que j'ai vécu pendant le confinement. Hein. Je suis partie de chez mes parents le premier jour où Monsieur Emmanuel Macron a annoncé qu'on devait tous rentrer chez nous. Et je suis partie avec ma meilleure amie. On a pris notre premier Airbnb, notre premier appartement. Et c'était vachement cool. Et c'est ce que je raconterai donc sur scène. Donc, il faudra venir me voir. Et si vous voulez la suite du sketch, vous n'avez qu'à payer la place, parce que je ne vais pas vous faire le sketch gratos. Je vous donnerai des invites à tous. Bon, je croise les doigts pour vous, Manon. Moi aussi, je croise les doigts pour moi. Dans la première version de Starmania, quel chanteur incarnait le chef des étoiles noires, Johnny Roquefort? Carré. Ouais. Julien Clerc, Marc Lavoine, Daniel Balavoine, Étienne Dao. Marc Lavoine. Non, il n'était pas dans Starmania, c'était Daniel Balavoine. Incarné aussi par Bruno Pelletier dans la version de Starmania des années 90. Manon, oui. Quelle capitale peut-on rejoindre en ferry depuis Buenos Aires en traversant le Rio de la Plata? Carré. Okay. Montevideo, Brasilia, Asunción, Santiago. Brasilia. C'est Montevideo. On peut aller en ferry de Buenos Aires, capitale de l'Argentine, à Montevideo, capitale de l'Uruguay. Les deux villes se trouvent à environ 200 km l'une de l'autre, le Rio de la Plata et l'estuaire des fleuves Paraná et Uruguay. On le voit bien sur la carte. Pouf, ça se rencontre. C'est bon, vrai. Pas de points pour le moment. On ne va pas désespérer. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous venez d'où, Jérôme? Gignac, c'est juste à côté de Marseille, à 15 km de Marseille. D'accord, vous êtes originaire des Bouches-du-Rhône? De Marseille. Ah bah alors, voilà, Marseille. Je viens de là. Né de Marseille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis enseignant également, mais pour des adultes, moi. D'accord. Et il paraît que vous aimez l'Écosse, à un point que vous aimez l'Écosse, c'est pas possible de le dire. Un poil plus. Ouais. Un poil plus encore. Ouais. Mais pourquoi? Je sais. Ah, mais c'est moi. Parce que les terres sont juste sublimes, les paysages sont absolument uniques. Oui. Et ils sont aussi durs que ce que les Écossais sont fantastiques dans la vraie vie. Donc, entre leur histoire, leur paysage et leur culture urbaine, c'est juste fantastique. C'est vraiment, pour moi, le plus beau pays du monde. Quelle est la région qui vous a le plus plu? L'île de Skye. Ah, l'île de Skye. Bon, presqu'île maintenant, parce qu'ils ont construit un pont, mais c'est sur l'ouest. C'est vraiment, vraiment splendide. J'ai fait 2-3 treks là-bas, j'attends de faire mon quatrième. La dernière fois que je suis allé, il pleuvait vraiment des cordes, on n'y voyait rien, donc ça ne servait à rien. Oui. Oui, alors l'Écosse, hein, aussi, c'est le temps n'est pas... Alors, il n'est pas imprévisible, parce que vous avez prévu qu'il allait pleuvoir de toute façon. Oui, c'est ça. Mais ça peut être très beau aussi. Regardez, là, il fait très beau. Ben voilà, premier jour. Vous voyez? Ben, 2 heures après, j'avais le kawaii, par contre. Il paraît que vous êtes devenu un personnage important maintenant en Écosse. Non, je suis lord, mais j'ai 1 mètre carré en Écosse. C'est pas énorme. Non, c'est un programme de sauvegarde des Highlands, en fait. Ils ont divisé les terres en des milliers, voire des millions de parcelles. Ça va de 1 à 100 mètres carrés. Mmh. Et on signe un contrat qui nous spécifie bien que sur nos terres... avant, j'avais des cheveux. Donc, c'est un programme qui nous demande de ne absolument rien faire. On a le droit d'y aller autant qu'on veut.
Sur votre mètre carré, vous faites ce que vous voulez. Eh ben, j'ai pas le droit de planter ni de cueillir quoi que ce soit. Il faut respecter la faune et la flore. Donc c'est, ça permet d'empêcher toute tentative de construction, parce que la personne qui voudrait acheter ça, il faudrait qu'il fasse des centaines, voire des milliers d'actes de vente. Okay. Donc ça permet de sauvegarder. Lord Jérôme. Lord Jérôme. Quelle race de chien est souvent surnommée chien saucisse? Cash, les teckels. Ah ouais, teckels, j'ai associé. C'est pas gentil, hein? Son corps long et court sur pattes rappelle la forme de la saucisse. C'est-à-dire que le problème du teckel, il ne faut pas qu'il prenne du poids. Parce que c'est vrai que ça fait très court sur pattes. C'est mignon. Jérôme, dans le générique de quelle série parlait-on de trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police? Cash, les drôles de dames. Mmh, hey, les drôles de dames! Il était une fois trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Ah ouais, ouais. Charlie's Angels, 1978. Ta-da, 76, même. Ah, c'était bien, Charlie's Angels. Jérôme, très beau score, 10 points. Bonjour Séverine. Bonjour Laurence. Vous venez d'où? Vous faites quoi, Séverine? Alors, je viens de Seine-Saint-Denis, pas très loin. Ouais. À Noisy-le-Sec. Oui. Et je suis éducatrice de jeunes enfants depuis une vingtaine d'années. Et j'ai rejoint récemment la ville de Pantin, il y a à peu près un mois. D'accord. Très bien. Voilà. Pareil, quand on vous fait une blague avec des requins, vous êtes pas... Je ne réponds plus de rien, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, alors, mon conjoint avec qui je suis depuis à peu près 20 ans, on va souvent en Turquie. On était du côté d'Antalya. On était partis avec ma petite sœur Isabelle et mon beau-frère Pascal. Et mon conjoint est fan de croisières en bateau. Nous, on n'aime pas spécialement, mais enfin, pour lui faire plaisir, quand on aime, on... Oui. Et du coup, le bateau s'arrête toujours en pleine mer, donc on peut sauter en fait du bateau sur des criques, etc. Donc on a sauté. Ma petite sœur, très blagueuse, d'un coup me dit: Sève, attention, il y a un requin. Donc moi, j'ai pas pris le temps de regarder autour de moi. Mon conjoint qui remontait tranquille sur l'échelle, je l'ai pris d'un coup et je l'ai balancé à l'eau. Voilà, je ne sais, c'était sauf ta peau et peu importe. Voilà. Ceci dit, après, quand on est dans l'eau et qu'on vous dit attention, il y a un requin, vous ne connaissez pas bien l'endroit. Bah, c'est ça, puis j'avais pas pied, donc. Non, vous ne lui mettez pas cette musique-là, ça va. Je ne pense pas que Séverine regarde. J'ai eu très honte après. Il m'a dit voilà, je sais à qui j'ai affaire. Voilà. C'est moi d'abord. Non, mais moi d'abord. C'est moi qui comprends. Avec le requin, on ne rigole pas. Voilà, c'est non, ça. C'est vrai, je vous comprends, Séverine. Dans la mythologie grecque, quel monstre enfermé dans un labyrinthe est vaincu par Thésée? Carré. Cerbère, le Minotaure, le Cyclope, le Centaure. Minotaure. C'est le Minotaure, très bien. C'est un monstre au corps d'homme et à la tête de taureau. Il est emprisonné dans un labyrinthe par Minos, roi de Crète. Séverine, sous quel pseudonyme connaît-on mieux le dessinateur suisse de bande dessinée Philippe Chapuis? Cash? Gulluc? Non, c'est Zep. Vous m'avez dit qui, Gulluc? Gulluc. Non, Gulluc, c'est, il est belge. Il est belge, d'abord, c'est le chat. Oui, c'est ça. Non, c'est Zep. Bon. C'est le créateur de Titeuf. Ah oui. Voilà. Séverine, 3 points. Allez. Merci. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Vous venez d'où, Stéphane? Alors, je viens de Bonnemain, qui se situe entre Rennes et Saint-Malo. Il est bien. Oh, Saint-Malo, c'est beau. C'est très beau. Je salue tous mes copains à Saint-Malo. J'ai plein de copains à Saint-Malo. Ils me disent toujours, tu ne viens pas souvent. Non, c'est vrai que je ne vais pas souvent à Saint-Malo. C'est beau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je suis responsable d'une friperie donc dans le joli centre-ville de Rennes, qui a la particularité de vendre les vêtements au kilo. Ah, j'adore ça. Voilà. Eh bien, qu'on vous les vend? Nous, on a déjà le circuit. Vous avez déjà votre circuit. D'accord. Voilà, donc on ne va pas reprendre, on ne va pas faire le troc sur la boutique. D'accord. En revanche, on le propose à la vente avec un barème au kilo, avec un code couleur de 4 couleurs. C'est génial. 20, 30, 40, 60 euros. On a le panier, euros. Puis on prend, et puis voilà, et puis on... la caisse. Ouais.
Et on pèse sur les balances électroniques à disposition. Est-ce que vous voilà. récupérez des trucs très intéressants? Oui. Ah. Oui. Qu'est-ce qui est en ce moment? Est-ce que la vogue, la vogue des années 80 revient? Exactement. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça, il y a une énorme demande sur ça, et notamment les samedis, jour d'affluence, oui. avec les familles, les soirées qui se préparent, le week-end, donc les soirées à thème. Ah ouais. Et ce qui revient extrêmement souvent, ce sont les années 70 et 80. Ah ouais. On a quand même l'impression que c'était des années. Assez folle en termes d'amusement. Et je pense que c'est pour ça. Oh là, vous allez avoir du monde, hein. Vous êtes passé là, vous allez voir, ils vont venir vous voir en disant Stéphane, un petit prix. Bon, c'est pas cher déjà, donc c'est pas cher, c'est... et puis c'est dans l'air du temps. Oui. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et puis c'est bien de recycler aussi, et puis d'acheter moins déjà, et d'acheter des choses qui ont déjà eu une histoire, c'est aussi bien. Exactement. Bien. On recycle. Moi, je recycle tout, hein. Stéphane, on joue quand même, hein, on ne va pas parler fringues toute la journée. En quelle année la France doit-elle accueillir la 10e Coupe du Monde de rugby à 15? Duo carré cash, si vous ne savez pas. Eh bien, je vais tenter un cash avec 2023. Ouais, c'est bon. C'est 2023. Les matchs doivent se dérouler dans 9 villes. Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Denis, Saint-Étienne et Toulouse. On écoute. Stéphane, quel est le titre de cette chanson dans laquelle Florent Pagny s'adresse au fisc? Duo carré cash. Je vais être obligé de prendre un carré. Oui, oui. Laissez-nous respirer, n'importe quoi, ma liberté de penser, si tu veux m'essayer. Bien évidemment, ma liberté de penser. C'est ma liberté de penser en 2003. Ma liberté de penser, ouais. Bravo Stéphane. Alors, les scores. Bon, nous avons Médéric. Vous voulez le cacher ou pas? Ah, je le vois, c'est un zéro. C'est zéro. Manon aussi. Excusez-moi. Mais ça va, vous allez peut-être vous refaire, attention. Oui. Séverine, 3. Nous avons 10 pour Nathaline, 10 pour Jérôme. Et Stéphane mène avec 11 points. Et je vous demande d'accueillir Paul, notre champion. Paul, c'est un peu notre Robert De Niro sur le plateau. Vous êtes un peu notre Robert De Niro. Ah bah alors là, je peux rentrer chez moi. Bah non, Robert De Niro peut rentrer chez lui. Ne rentrez pas trop vite, parce qu'ils sont trop contents, ils vont prendre le fauteuil. Hein. Alors, faut pas rentrer trop vite. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Ah bah si, il faut pas le laisser le fauteuil. Alors, bon, ceux qui n'ont rien pour le moment, là, peuvent tout donner, parce qu'il y a 5 points, ok? On y va. Question pour tous. Cash. De quel sandwich réalisé en version géante voit-on l'intérieur sur cette photo? Vous voyez, c'est l'intérieur, vous voyez. Quel est ce sandwich géant? Bien sûr, c'est à vous. On voit l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va y avoir un autre truc par-dessus. Ça a l'air bon, hein? Ah ouais. Ah oui, vous avez vu marquer Nice. Donc il y en a qui marquent niçois. Mais ça s'appelle pas un niçois. Ça s'appelle un pambagna. C'est un pambagna. Vous voyez, il y a les œufs. Hein, n'est-ce pas, Manon? Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on met? Il y a les œufs, les anchois. Alors, on commence par une base de tomates, radis, céleri, oignon rouge, thon ou anchois. Oui. Ou sinon pas les deux. Hein, pas les deux. On peut mettre les deux. Oui. Moi, j'adore avec les deux. OK. Avec des œufs par-dessus, des œufs durs. Voilà. Il est gros, voilà. Ce pambagna. Hein. Il est grand. Il s'agit du plus grand pambagna du monde. Il mesure plus d'un mètre de diamètre et pèse 52 kilos. Oh, le pambagna est une spécialité niçoise. Cette version XXL a été réalisée en mars dernier par la Fédération des boulangers des Alpes-Maritimes. On vient de l'apprendre. Bon, ouf. Alors, Manon, vous êtes sauvée. Ouais. Par contre, Médéric,
Non. Tant pis. Je suis désolée, mais en tout cas, vraiment, sur votre chaîne, on va aller vous voir parce que Merci. Vous avez du talent, Médéric. Bravo, Médéric. Merci, Séverine. Mais là, Merci 3 beaucoup. Points, c'est pas suffisant. Stéphane, Jérôme, Manon, Nathalie, vous restez. Voici votre cadeau. Agfa Photo vous offre l'imprimante connectée Realipix Moments pour imprimer facilement et instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. Et puis tentez de gagner notre grande cagnotte de 20 000 euros. Répondez à la question suivante. Quelle race de chien est surnommée chien saucisse ? 1. Le berger allemand. 2. Le teckel. Envoyez un ou deux par SMS au 72121 ou appelez le 3632 pour participer au tirage au sort. Alors, Nathalie, Manon, Jérôme, Stéphane, ça y est, vous êtes là. Nous allons attaquer un thème. Peut-être ça vous a plu, je ne sais pas. Les énigmes historiques. On y va, duo, un point. Dans le roman Da Vinci Code, sur quelle énigme historique Robert Langdon enquête-t-il ? Les mines du roi Salomon, la descendance du Christ. Bon, ça se passe bien pour la première réponse, la descendance du Christ. Oui, c'est évidemment, c'est ça, cette énigme historique. Selon le roman de Dan Brown, Jésus et Marie-Madeleine auraient eu un enfant et leurs descendants auraient été en fait les rois mérovingiens. À Lyon, quel est le nom du mystérieux réseau de souterrains qui se trouve sous la colline de la Croix-Rousse ? La toile d'araignée, les arêtes de poissons. J'ai les arêtes de poisson, j'ai 3 toiles d'araignée. Vous le savez, Paul, vous ? Il me semble bien que c'est la toile d'araignée. Ah non. Ah bon ? Non, ce sont les arêtes de poisson. Ce réseau vieux de 2000 ans a été découvert en 1959. Il comprend un couloir central donnant sur 32 galeries perpendiculaires et organisées par paires, d'où son nom. Voilà. Et on ignore tout de l'origine et de la fonction de ce réseau. C'est absolument pas à quoi ça servait. C'était par hasard, Stéphane ? Vous le saviez ? Non, là je savais. Ah, bien. Des fois je sais. Parfois vous savez quand même. Selon une légende, quelle fonction une femme aurait-elle occupée vers 855 sous le nom de Jean VIII ? Pape ou roi de France ? C'est une femme. Roi de France, Manon. Elle aurait été roi de France. Mignon, ça, j'aime bien. C'est possible, hein, elle aurait pu être possible, hein, roi de France. Non, elle était pape. Elle a été. Ça, c'est la légende, mais la légende de Jeanne, la papesse, raconte qu'une femme déguisée en homme serait devenue pape entre 855 et 858. Mais et, bon, le problème, c'est qu'elle aurait accouché lors d'une messe. Donc, et alors là, ils ont dit oh mince alors. Faut jamais accoucher pendant une messe, hein, ça. Surtout quand on est pape et surtout quand on dit qu'on est un homme. Là, ça coche toutes les mauvaises cases. Hein. Question carrée à 3 points. Quel nom figurait sur le cercueil qui a été retrouvé en 2018 dans les sous-sols du musée d'Aquitaine à Bordeaux ? Molière, Léonard de Vinci, Jeanne d'Arc, Montaigne. Molière, Montaigne, Léonard de... Ah bah comme ça, vous pensez à quoi, vous, Paul ? Ah bah c'est Montaigne. Non ? C'est son pays, pourtant. C'est son pays, c'est Montaigne, oui, c'est Montaigne. Il a été maire de Bordeaux. Alors, calmons-nous, hein, parce qu'on a trouvé un cercueil... Lors de fouilles, on a trouvé un cercueil en bois avec l'inscription Michel de Montaigne. Oh, vous imaginez, là, bon. Pour confirmer qu'il s'agit bien de l'écrivain, d'abord, un, il faudra faire des analyses ADN, ce qui suppose d'abord de trouver un descendant de Montaigne. Et pour le moment, on ne l'a pas. Donc il y a marqué Michel de Montaigne sur le cercueil. Au début des années 1920, de quelle dynastie une certaine Anna Anderson a-t-elle prétendu être la descendante ? Les Bourbons, les Habsbourg, les Romanov, les Tudor. Elle a dit « je suis la descendante ». 1920.
J'ai deux Habsbourg contre deux Romanov. Romanov ont gagné. Eh oui, les Romanov ont gagné. Ah, quelle histoire. Elle disait être, en fait, la grande duchesse Anastasia, fille du dernier tsar de Russie Nicolas II, et avoir survécu au massacre épouvantable de la famille impériale en 1918. On a découvert plus tard qu'elle était en fait polonaise et s'appelait Franciszka Schwanzowska, pardon, pour la prononciation, nos amis polonais. C'était une énigme. En 2014, qu'est-ce qui a permis de percer par hasard le mystère de la disposition initiale des pierres du site préhistorique de Stonehenge? Un orage violent, une coulée de boue, le labourage d'un champ, un manque d'arrosage. Alors, j'ai le labourage, le manque d'arrosage, l'orage violent, la coulée de boue. Comme ça, j'ai plus qu'à choisir. La bonne réponse, c'est Manon qui l'a, c'est le manque d'arrosage. Au hasard ? Au hasard ! Je vous explique. Durant l'été 2014, la pelouse du site était insuffisamment arrosée. En se desséchant, l'herbe a fait apparaître des taches dans la végétation, ce qui a révélé l'emplacement des blocs de roches manquants. Donc du coup, on a vu où ils auraient pu être. Voilà, les scores. 2 pour Nathalie, 3 pour Stéphane, 8 pour Jérôme, 10 pour Manon. Denis. C'est pas fini, hein, c'est pas fini non plus. Sais, mais hein, c'est fou, c'est fou. Oui, oui. Oui, ben c'est bien, oui. C'est bien, voilà. Question cache à 5 points. D'après le titre d'une de ses aventures, quel duo de bande dessinée parvient à percer le mystère de la grande pyramide? C'est à vous, c'est du cash. C'est un duo de bande dessinée. Ouais. Il perce le mystère de la grande pyramide. Bon, Nathalie, j'ai rien. Non, je les vois. Ouais. Tintin et Milou, Pif et Hercule, Jérôme, quand même. Quoi. Et Blake Mortimer, voilà. Pour Stéphane. C'est la bonne réponse, c'est Blake et Mortimer. Ils sont à la recherche de la chambre d'Horus, une pièce secrète de la pyramide de Khéops qui renfermait un inestimable trésor. Allez, cash, 5 points. Dans quel pays se situe le site des lignes de Nazca, où d'immenses figures sont tracées au sol? C'est à vous. Quel pays, hein? Les lignes de Nazca. Alors, j'ai le Pérou, j'ai la Slovaquie, j'ai le Chili, j'ai tout, quoi. À votre avis, Paul, ce serait où? Les lignes de Nazca. Ça fait des figures. Une petite consonance sud-américaine, peut-être. Ah, le, oui. Pérou. On ira vers le Pérou. C'est le Pérou, bravo Nathalie. Ces figures appelées géoglyphes, c'est, ça s'appelle, couvrent environ 450 km². Elles ont été tracées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après. Elles feraient partie de rituels encore méconnus. Les lignes de Nazca sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous voyez, c'est ce genre de choses que l'on voit. Et où les gens disent des extraterrestres, parce qu'on ne pouvait pas le dessiner depuis le sol. J'ai vu un magnifique reportage où il y a des gens qui ont réussi à recréer exactement les mêmes dessins depuis le sol. Donc c'est tout à fait faisable. Mais ça n'en reste pas autant magnifique, hein, bien sûr. Bon, les scores. Alors, Nathalie, 7. Jérôme, 8. Stéphane, 8. Et puis c'est toujours Manon qui mène avec 10 points. Voici les super cash, plus ou moins 5 points, et c'est Paul qui distribue. On commence par Nathalie. Alors, Nathalie, ça sera la question numéro 3, Laurence. Oh oui, Paul. Quelle île est célèbre pour ses énigmatiques statues appelées Moai? L'île de Pâques. L'île de Pâques, très bien. On ne sait pas exactement qui a sculpté ces statues, dont la fonction était probablement religieuse. 12 points pour Nathalie. Nous allons vers Jérôme. Jérôme, ben, la question numéro 2, Laurence. Oh, oui, ben, bien sûr. Quel film de Christophe Gans est inspiré du mystère de la bête du Gévaudan? La bête du Gévaudan.
Oui, ben non, ça reviendra pas. Essayez quand même. Non. Non, ça revient Marc pas. Marc Dacascos dedans, mais... Le pacte des loups. Le pacte des loups. Ben ouais, la bête du... Vous l'avez... Enfin, vous auriez pu l'avoir. Quand avec un carré, oui, c'est oui, bien. Oui, oui. La bête du Gévaudan est le nom donné à l'animal auquel on a attribué une centaine d'attaques d'humains entre 1764 et 1767 dans l'actuelle Lozère. Voilà. Nous allons vers Stéphane. Alors, pour Stéphane, la question numéro 1. OK. Quel village de l'Aude a attiré des milliers de curieux venus chercher le trésor de la Bessonnière? Dans l'Aude. Non ? Je n'aurais pas dans l'Aude. Non, vous n'aurez rien dans l'Aude. Hein, j'aurais rien dans l'Aude. Vous cherchez bien, vous n'avez rien dans l'Aude. Je n'ai pas regardé dans l'Aude. Ok. C'est Rennes-le-Château. Alors, à la fin du 19e siècle, la Bessonnière a lancé d'importants travaux immobiliers sans qu'on sache comment il a pu les financer. D'où la légende de son trésor caché qui a été médiatisé dans les années 50 pour attirer, évidemment, qui ? Les touristes ! Voilà. Bon. Manon ? C'est à moi. C'est ça. C'est à vous de rentrer sur scène. Lors de quel siècle Jack l'Éventreur a-t-il commis ses crimes ? Réfléchissez bien. Lors de quel siècle ? 17e. Bah non, c'est plus tard, le 17e, ça ferait... Mais non, 17e, il aurait commis ses crimes dans 1600 et quelques, ça va pas. Il les a commis en 1800 et quelques. Donc c'est le 19e. C'est le Londres du 19e siècle, un peu glauque comme ça, avec les ruelles et tout. Oh, quel dommage, mais pas dommage pour Nathalie. C'est notre challenger. Et voici vos cadeaux. Boulanger est ravi de vous offrir cet ordinateur portable Asus UX, fin, léger et incroyablement compact. Ces 20 heures d'autonomie vous accompagneront partout. Au pied des sommets du Vercors, la station Village Villard-de-Lans, Corançon en Vercors, vous offre une semaine pour 4 sur l'un des plus vastes domaines de ski alpin nordique d'Europe, avec 247 km de piste. Et puis vous tentez de gagner notre grande cagnotte de 20 000 euros. Répondez à la question suivante. Quelle race de chien est surnommée chien saucisse ? Le berger allemand, le teckel. Envoyez un ou deux par SMS au 72121 ou appelez le 3632 pour participer au tirage au sort. Bonne chance. Merci Manon, merci Jérôme, merci Stéphane. On a passé un super moment avec vous. Dans quelques instants, le défi avec Paul, notre champion, contre Nathalie. À tout de suite. Retrouvez-nous en sélection en novembre à Orange le 10, Paris les 18 et 28 et Brumath le 21. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur tlmbpsp.com. Et pour participer aux sélections vidéo en ligne, inscrivez-vous en allant sur www.tlmbpsp.com. Après l'émission, allez sur l'application pour défier les champions et des joueurs du monde entier. C'est l'heure du défi, ça y est, avec notre champion Paul, 6 victoires, 5500 euros, et sa nouvelle challenger Nathalie. Voici les thèmes aujourd'hui. Les sports insolites, Auguste Renoir, Limoges, Isabelle Huppert. Alors, le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection du challenger, mais c'est bien sûr notre champion qui va lui offrir. Eh bien, nous allons aller sur les sports insolites. Pour Nathalie, les sports insolites. Et pour vous ? On va essayer de faire un peu de peinture avec Auguste. D'accord, Auguste Renoir pour vous. Ok. Nathalie, on y va. Quel sport le plus souvent joué sur glace ou gazon peut être aussi pratiqué au fond d'une piscine avec une crosse et un palet ? Cache le hockey. Je prends le hockey. Deuxième question. Quels animaux font du surf lors d'une compétition annuelle organisée à Huntington Beach en Californie ? Cache les dauphins. Prends cette réponse. De quel sport insolite la IQA est-elle la fédération internationale ? Carré. Ouais. Le Quetzalcoatl, le Quidditch, le quad artistique, le quick horse. Le Quidditch. Quatrième question. Quel sport est associé aux échecs dans une discipline créée par un Néerlandais en 2003 ? Carré.
Carré. Le karaté, la lutte libre, le judo, la boxe. Je dirais le karaté. Je prends le karaté. Cinquième question, Nathalie. Dans quelle ville le sport mêlant rugby, football et lutte appelée calcio storico est-il né au Moyen-Âge ? Carré. Naples, Venise, Florence, Rome. Je dirais Venise. Je prends Venise. Dernière question, Nathalie. Combien de joueurs au total s'affrontent sur le terrain pendant un match de sepak takraw, un genre de volley qui se joue sans les mains ? Cash, 10. 10, je prends 10. Ça s'est bien passé ? Il y a des sports bizarres que je ne connaissais pas. Ben voilà, voilà. On en apprend. On y va, Paul. On y va. On va faire de la peinture, hein. Ça, on va essayer. Un petit peu de peinture. Dans un tableau d'Auguste Renoir de 1876, sur quoi une jeune femme en robe blanche à ruban bleu se tient-elle debout ? Carré, s'il vous plaît. Oui. Un cheval, une balançoire, une barque, un banc. Balançoire ? C'est la balançoire. La jeune femme est debout sur la balançoire aux côtés de deux hommes et d'une fillette. 3 points. Sur une toile de 1892, devant quel instrument de musique deux jeunes filles sont-elles installées ? Carré, s'il vous plaît. Ouais. Une harpe, un violon, un piano, une flûte. Un piano ? C'est le piano. Il existe plusieurs versions exquises de ce tableau où deux jeunes filles, l'une assise devant l'instrument, l'autre debout, semblent déchiffrer une partition. 6 points. Dans quel film adapté d'une nouvelle de Guy de Maupassant, Jean Renoir met-il en scène des tableaux de son père ? Carré, s'il vous plaît. Oui. La parure, une partie de campagne, une vie, le Horla. Une partie de campagne. Absolument, c'est la partie de campagne. Jean Renoir rend hommage à son père en recréant dans certaines scènes des tableaux comme Les Amoureux ou encore Canotier à Chatou. Partie de campagne, c'est de 1946. 9 points. Sur sa célèbre toile, Le déjeuner des canotiers, que tient dans ses mains la jeune fille au premier plan ? Carré, s'il vous plaît. Un petit chien, un chapeau, un bouquet, un verre et une carafe. Un petit chien. C'est un petit chien. Cette toile a été peinte à l'auberge Fournaise à Château. 12 points. Quel peintre italien célèbre pour les angelots de son tableau La Madone Sixtine a influencé la peinture de Renoir ? Carré, s'il vous plaît. Botticelli, Raphaël, Titien, Michel-Ange. Je peux avoir la question ? Quel peintre italien célèbre pour les angelots de son tableau La Madone Sixtine a influencé la peinture de Renoir ? Raphaël ? C'est Raphaël. Ouais, c'est Raphaël. Lors de son voyage en Italie, Renoir a particulièrement été frappé par Raphaël et par Titien. 15 points. Qui a été le modèle de Renoir, puis sa maîtresse, avant de devenir une artiste peintre reconnue ? Carré, s'il vous plaît. Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Rosa Bonheur, Marie Laurencin. Berthe Morisot. C'est Suzanne Valadon. Elle a été modèle pour de nombreux peintres Renoir, donc Puvis de Chavannes ou encore Toulouse-Lautrec, premier à reconnaître son talent. Vous avez 15 points, Paul, c'est pas mal. On verra bien. Tentez de gagner notre grande cagnotte de 20 000 euros. Répondez à la question suivante. Quelle race de chien est surnommée chien saucisse ? 1. Le berger allemand de Le Tekel. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 72121 ou appelez le 3632 pour participer au tirage au sort. Bonne chance à vous. Allez, Nathalie, on va regarder vos réponses. Il y a 15 points à battre, mais bon. Quel sport le plus souvent joué sur glace ou gazon peut être pratiqué même au fond d'une piscine avec une crosse et un palais ? Vous m'avez dit en cache le hockey. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Le hockey subaquatique. Une discipline née dans les années 50-60. 5 points. Quels animaux font du surf lors d'une compète annuelle organisée à Huntington Beach en Californie? Vous m'avez dit en cage des dauphins, non, ce sont des chiens. Ah. Il existe deux catégories en tandem, le maître et son chien qui surfent ensemble, et en solo, le chien est seul, il se débrouille tout seul. De quel sport insolite la IQA est-elle la fédération internationale? Vous m'avez dit le Quidditch, c'est une bonne réponse.
sport inventé dans Harry Potter qui est devenu en 2005 un véritable sport de balle. Quel sport est associé aux échecs ? Dans une discipline créée par un Néerlandais en 2003, vous m'avez dit le karaté. C'est la boxe. Le chess boxing est un sport imaginé par Enki Bilal dans son album BD Froid Équateur. La règle alternée 4 minutes d'échecs, 3 minutes de boxe pendant 11 rounds maximum. 8 points, toujours. Dans quelle ville le sport mêlant rugby, football et lutte appelé Calcio Storico est-il né au Moyen-Âge ? Vous m'avez dit Venise et c'est Florence. D'accord. Eh ouais, il est aussi appelé Calcio Fiorentino. Il oppose les quatre quartiers historiques de Florence. Enfin, combien de joueurs au total s'affrontent sur le terrain pendant un match de sepak takraw, un genre de volleyball qui se joue sans les mains ? Vous m'avez fait un cash avec 10 joueurs. C'est un tout petit peu moins, c'est 6 joueurs. Ce sport asiatique est très populaire en Thaïlande, au Laos, en Indonésie, en Malaisie. Il se pratique sur un terrain qui ressemble à celui du badminton. Nathalie, vous avez 8 points. Ça ne suffit pas pour battre notre champion. Paul, 7 victoires, 6300 euros. Merci Laurence, merci. Merci. Bravo, bravo. Désolée de... Eh, vous lui avez fait gagner quand même bravo. Pas mal d'argent. 7 victoires, 6300 euros. Ça grimpe, hein, ça grimpe, hein, ça grimpe, Paul, ça grimpe. Vous auriez choisi quoi ? Isabelle Huppert. Ah oui, eh ouais, Isabelle Huppert, ouais. Là, c'était dur, les sports insolites. On a découvert qu'il y a des sports jamais entendus parler, on est d'accord. Maintenant, on le sait. Voilà. Merci d'avoir joué avec nous. Merci, Paul. Robert De Niro reste. Robert De Niro reste, bien sûr. Et on le retrouve demain, même heure, même endroit. Paul, notre champion, et vous, bien sûr. On vous retrouve demain, même heure. À demain. Ciao.